Je reçois une caméra en témoin de Jésus. Augsburger, ce soir, après la victoire contre Zurich, il fallait confirmer, ça a été fait, même si la manière n'était pas forcément là. Ouais, c'est clair que la manière n'était même pas du tout là, je veux dire que maîtrisant un match 5-1, ou surtout au premier tiers où on gagne 3-0, bon, on se prend un but sur la fin, ça doit pas arriver, je veux dire, prendre 3 buts sur un dernier tiers comme ça, on a complètement arrêté de jouer, puis on s'est mis en danger pour rien, quoi. C'est vraiment pas bon, surtout qu'à comme tu l'as dit, à Getze, on a posé un match solide de la première minute à la 60e, puis là, on a tout fait le contraire. Bah, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de mener un match direct 3-0 après 9 ou 10 minutes.
Donc là, on s'est retrouvé surpris de maîtriser vraiment le match depuis le début. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus ça. Et puis après, deuxième tiers, je pense qu'on s'est laissé aller. On n'a plus fini nos mises en échec. On n'est plus allé fort checker comme on devait. On allait tout sur le puck, en zone défensive. On n'était pas bien compact. Et puis après, ben, même contre on voit contre les équipes comme Turgovie, ben, ça se paye cash. Et puis on se met en danger pour rien, quoi, comme j'ai dit avant. Ça, c'est quelque chose de positif à retenir, quoi. Je pense que le power play était très bon, surtout la ligne à Gaillon, Miéville et Fadoulov, qui ont marqué deux goals, je crois. Donc ça, c'est à retenir pour le match de Viège dimanche. Je pense qu'il faudrait qu'on refasse la même chose qu'on a fait à Guetze, montrer un autre visage que ce soir, de travailler de la première minute à la 60e, finir nos mises en échec, même si c'est à la 59e, où il faut vraiment leur mettre la pression, pas les laisser jouer, et puis qu'on ramène 3 points de là-bas. Ben, on a fait une bonne entame de match, on a fait 2 tiers très très sérieux, puis après la machine se dérègle, on perd un petit peu nos principes de jeu, et à ce moment-là on prend des buts, et puis on met l'équipe, toute l'équipe se met à douter, et puis on joue vraiment pas le système. Mais ce soir, ce qu'on retient de positif, c'est par exemple un power play qui a très bien fonctionné. Oui, on l'a travaillé cette semaine, les joueurs se trouvent bien, Jérémy Gaillan revient bien en forme, donc amène quelque chose de nouveau aussi, et puis ça, c'est le point positif. Par contre, il faut absolument qu'on arrive à jouer 60 minutes, à jouer ensemble pour l'équipe et non à titre individuel, et je pense que ça permettra d'avoir des meilleurs résultats. Bah, moi, mon analyse personnelle, je pense qu'on commence bien le match, on fait des très bonnes choses, on commence à s'installer, à gagner avec pas mal de goals d'écart, et là on commence à repenser à soi, à plus faire les efforts défensifs, à ne plus aussi jouer collectif, et là à ce moment-là, bah, on se fait contrer, le doute s'installe, l'équipe est encore convalescente, et à ce moment-là du match, bah, tout est perturbé, et puis on a eu très très chaud sur la fin. We'll be right back.